Cavendish is on his absolute last legs, absolutely exhausted. He makes it with 46 seconds to spare. Ça a été parmi le top 10, je pense, de mes galères. Hein. C'est la course la plus difficile du monde. Ça fait rêver, mais ça met aussi une pression de savoir qu'il faut être au niveau. Le départ réel de cette première étape de la 111e édition du Tour de France. C'est le Tour de France, on fait cadeau à personne. Ça va très très vite. On durcit encore un peu plus. Once you are in a breakaway and you get that adrenaline, this mental limit sometimes they go away and you can again reach your full potential. Mais dans quel état vont-ils finir? Avec sa puissance, sa force. C'est dur, là, c'est dur. I think I left it all out there, and I wish I could have pushed a little bit harder towards the end, but it is what it is, and it was not enough. Je savais plus trop. C'était juste une course de vélo avec une ligne d'arrivée à franchir le premier, mais ça avait des fins, c'était le tunnel. C'est énorme, c'est énorme. Désolé. Cycling is not a game. It's more about who can suffer the most. And ça tombe derrière. It's cool to be one of those guys that can show it's possible to suffer a bit. Quel courage, encore une fois, le réflexe du coureur, remonter le plus vite possible sur le vélo. Impressionnant l'équatorien. Il veut vraiment être devant. Ouais. Un chapeau à Carapaz, hein. Il était là chercher cet échappé. Paulès, qui a tout donné pour le ramener. Cada equipo viene con su mejor versión, con sus mejores hombres y al final la competitividad aquí es muy muy alta, ¿no? Entonces, nada, yo siempre creo que el Tour es la mejor carrera y porque es el mejor nivel que hay en todo el planeta. Richard Carapaz, il l'a voulu cette étape et il s'est donné les moyens d'aller les chercher à l'attaque tous les jours dès que la route s'élève. Richard Carapaz, il est enfin récompensé. Un día muy muy duro, Siempre hay a los ataques. Creo que lo hemos hecho muy inteligente y pues una hermosa victoria. C'est l'équatorien Richard